Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends, je suis en plein dab. Oh merde. Faut que je te raconte après. Bah. Ah, ça Ouais. passe. Ouais, attends, je te rappelle, Rick. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rien à faire dans mon jardin. Suite des aventures de Rurik. Sinon que j'ai peut-être foutu Richie dans la merde. Faire. Déjà, je vais aller poser 2000 balles à la banque. Pour pas avoir trop d'espèces sur moi. Je repasse à la maison me prendre à bouffer dans tous les cas parce que j'ai rien pris à bouffer. Tac tac tac, on va prendre la graille.
trop vite la bouffe. C'est une dinguerie. Ça part beaucoup trop vite. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas s'il va venir Richie, s'il va pas venir, s'il va vendre, si, enfin, s'il va, si, s'il est en train d'habiller, pas en train d'habiller. On va pas attendre 10 ans, je vais aller en ville, je vais faire du dab aussi. J'ai mes techniques pour faire du dab, donc let's go. En soi, hein.
Ouais. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que c'est. Le délire. J'étais en train de faire les comment. Les dabs à gros unicorn. Ouais. J'arrive, personne et tout. Je le premier nickel. Le deuxième, je finis le deuxième. Et en partant, je pars et d'un coup je vois un mec qui était dans les canapés à côté, avec un tatouage rouge sur la gueule et tout, genre ensanglanté et tout. Tu sais, je me stoppe, genre tu sais, qu'est-ce que c'est. Et du coup il sort une arme direct, il fait ouais, tu fais quoi là et tout. Je dis, what, qu'est-ce que c'est ce délire là. J'ai dit, mais toi tu fais quoi. Et il me dit, ouais, j'étais en train de dormir et tout, j'ai passé une soirée avec Natacha et tu m'as réveillé avec tes gros panards là. Je dis, bah ouais, mais ouais, c'était le dab et tout. Je dis, bah ouais, vu qu'il avait un 9 sur lui, tu vois. Il me fait, ouais. Et il me dit, ah bah, tu vois, déjà, tu as fini la moitié, puis je te laisse finir le dernier dab et tout. Je dis, ok. Je file la moitié de ça. Et la moitié du second dab. Et il part, il me fait, vas-y. Donc je fais le troisième. Il revient. Il me fait, ouais, tu connais les mecs dehors et tout, machin. Quoi, quel mec dehors. En fait, c'est les malades mentaux qui tournaient pour voir si s'ils voulaient faire le dab aussi à l'intérieur. Putain, la galère. Ouais, et du coup, le mec, il a dit, bah, tu sais quoi, tu viens avec moi. Hop, on vient, d'ailleurs, on va voir les malades mentaux, voir s'ils racontaient pas de la merde. Oh, putain de merde. Et il me fait, vas-y, ramène-moi chez moi et tout. Je dis, vas-y et tout. Je dis, mais t'es qui, enfin, quoi. Il dit, ah, bah, c'est un gars des ghosts. Et non. C'est un gars des ghosts et tout. Il fait, ouais, on a du. Si tu veux, on a de la weed avant, tout ça. Il commence à faire son petit speech, tu vois. Du coup, je le ramène, tout ça. Et voilà. Il avait ses potes et tout. Il fait, mais qu'est-ce que ça foutu et tout. Il dit, ouais, je passais une soirée avec Natacha. Il m'a réveillé et tout. Je dis, mais. Moi, j'ai vu des films d'horreur qui commençaient comme ça, hein. Avec son tatouage rouge sur l'icône là. Ouais. Et après il m'a dit, ouais, c'est pas un tatouage. J'ai dit, quoi. J'ai dit, t'as fait quoi, Natacha. Il dit, t'occupe. J'ai dit, d'accord. Oui, d'accord. Ouais. Du coup, j'ai fait, bon, bah voilà. Hein. Au final, dans l'OP, j'ai juste perdu 26 alias. Enfin, ça casse les couilles. Ça veut dire qu'il y a du dab à faire aujourd'hui. Il y a du dab. Tous les dabs que j'ai tapé, j'en ai tapé 4. Il y en a un où j'ai dû fuir parce qu'il y a le qui arrivait. Et les 3 du unicorn, je les ai fait. Et du coup, bah, je pense qu'au corps, ça doit y aller, mais faut pas traîner, parce qu'il y a justement les manettes mentos qui tournent là pour faire du dab. Mais il faut qu'on se remette à bosser à deux. Il faut que tu prennes ce que t'as fait tout seul, et le reste, il faut qu'on le fasse à deux. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai appelé quand je me suis réveillé. Le Fidor, il doit encore foncer et tout, et en attendant, bah, je prends du dab. Je prends du dab un coup, quoi. Et là, du coup, ouais, je t'ai appelé. C'est ça. Écoute, c'est où là? Je vais aller poser ma caisse au garage public en 71-31. Ouais, moi j'étais en train de retourner à la maison là pour. T'es en train de remonter? Bah je remonte alors. Comme ça je pose la caisse à la maison. Ouais, pour poser tout ce que j'avais sur WAM là, parce que j'ai pas pu remonter depuis. Bah, et voilà. Je remonte, je te rattrape là-bas et on va descendre faire des dabs à deux. Vas-y, ça roule. À de suite. À de suite. Thank you.
Allez, ça commence bien, 1000 balles d'amende. Putain, je l'avais zappé le radar. Ça y est, j'étais concentré à réfléchir à comment me faire pour faire les dabs à deux vu que ça tourne à gogo. Ah là 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 là. Hey yo! Yo! Je te jure. Ah ouais, je me suis dit au début, il me dit, ah, viens avec moi avec le flingue en main, je dis, oh putain. Au début, je me suis cru qu'il allait prendre tout ce que j'avais en fait. Ouais, mais du coup, celui qui te réveille va prendre son gun en vrai. Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir justement. Ouais. Parce que s'il y a les trous de balles mentos qui tournent là. Ouais. Bah eux, ils étaient là en mode, de, ouais, on avait vu qu'il était déjà en train de faire. Tu vois, en mode on s'excuse, désolé, mais bon. Bref, on sait jamais. C'est de là, en tout cas, il avait l'air d'être dans le. Plutôt cool, mais bon. Du coup, qui surveille, qui braque. Surveille, qui casse du dab. Tu veux continuer à dab? Bah, vas-y, hein, je suis lancé. Vas-y, je vais prendre mon gun alors. Vas-y, prends ton flingue et. En vrai, on sait jamais, parce que. Ouais, clairement. Mais du coup, il va falloir que ce soit moi qui conduise aussi. Ouais, bah tu sais, tiens. On va faire ça tout de suite. Ouais, ça, j'ai fait. Fais-moi le double aussi au cas où. On est tranquille. Ouais. Tac. Hop. Parfait, c'est parti. J'ai vu que t'avais pas mal bossé là déjà. Ouais. Bah j'ai fait. 3 dab entier, j'ai fait 6 dab entier, et un où j'ai pas pu faire en entier, j'ai commencé et il y avait les filles de lag. J'ai eu une liasse. Ah ouais, d'accord. Ouais, tac, les filles sont passées, je fais ah, je suis parti. Et déjà, 6 dab entier, c'est bon, c'est ce que je fais moi d'habitude. Ouais. Pas d'habitude, je le fais une demi-heure en max. Ouais, c'est ça. Bon. Mais là, je pense qu'on peut aller taper au corps. Ah, si personne les a fait. Ouais. Je me refasse aussi là. Ouais. C'est pas que j'ai pas fait grand chose les 3 derniers jours, mais j'ai pas pu faire beaucoup de dab avec tout le. Toute la galère, ouais. La détape. Les œufs partout, les cicots, les machins. J'ai passé que des journées compliquées. T'as vécu ma semaine d'avant, quoi, à peu près. Dans ce truc-là, c'est chiant, c'est t'as que le compte, tu fais que descendre, il remonte pas, tu vois. C'est relou. Ah, c'est ça. Mais j'avais oublié, mais ce soir, les supérettes, c'est attendu. Moi, je dois aller à l'appart. De... Bah, à la limite. À 22h, j'ai le truc à l'appart, ouais. Là. À la limite, même si on ne fait pas de ce soir, on pourra en faire demain après-midi, tu vois. Ça sera sûrement plus tranquille. Ah oui, on pourra en faire demain après-midi, ça c'est sûr. Ouais. À la limite, on fait la joue comme ça. Hein. Bah ouais, on va péter. Le soir même, on pourra en faire un peu. Ah oui, puisque là, c'est moi demain après-midi qui dois conduire pour les sucres. Du coup. Hein, demain soir, je pourrai en conduire. Si c'est un peu tranquille, ça peut le faire. Hein. Ah ouais, carrément. Et Georges qui m'a appelé hier soir, tu vois. Ouais, t'inquiète. T'es allé te coucher de suite, moi j'ai le cul d'attendre un petit peu, il m'a appelé aussi. Ouais. Ouais, ouais. T'inquiète. Ok. Il voulait quoi du coup? Il avait besoin d'un taxi. Ah! J'ai été faire le taxi. Ouais.
train qui nous est passé encore. Et là je pense qu'on peut tenter du dame un peu plus libéré. Voilà. Oh. Oui, c'est quoi ça? Je pense que c'est la lumière là, la con là. Oh putain. Oh. Ah. Ouais ouais. Peut-être qu'un peu cogné le haut. Ça va. Là. Ouais. Oh ça arrive. Et putain, le petit truc insolite la lumière. Hein. Hop, allez. Allez, je vais me barrer en bas. Yes. Yes. Allez, let's go, tu peux attaquer. Ça part. Eh ben ça braque, let's go, ça crache un peu. Donc, on verra du bien parce que j'ai pas beaucoup de l'air ce mois. Ouais. Hein, j'ai pas pu en faire beaucoup moi fin de semaine. Hein. Piqué là. Hein. Compte, ouais. Ouais, clairement, si aujourd'hui on peut en faire pas mal, genre un petit... 500, 600. Ce serait beau, ouais. Ouais. Oh, 300 va, tu... chacun. Bien, toi. Hein. Ouais, ouais, bah, j'ai pu faire les 6 avant que t'arrives, là. Enfin, les 5 en vrai. Bah, j'ai fait, tu sais, celle en 90-73, là. Tu sais, les deux cachés, là. Ouais. Et j'ai même fait les deux à l'extérieur. Bien. Sur la route. J'ai fait, bon, allez, il y a Sunpair. Et au moment où je suis le premier, nickel, je les pose, je suis le deuxième. Ah ! Les keufs ! Je suis reparti à l'intérieur, j'ai remonté l'escalier et je me suis tiré. À... Après, j'avais garé ma voiture dans le parking à côté. J'ai attendu un peu, je me suis cassé. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, ouais, c'est ça. J'entendais à chaque fois des sirènes, mais loin, genre. Et à un moment, ça se rapprochait de plus en plus. J'ai fait, ah ouais, non, mais pas de risque. J'ai bien fait. Ouais, tu m'étonnes. Je ne pas rêver. Je pense qu'il est né pour le dab d'avant. En fait, je pense que c'est le dab d'avant qui a sonné. Ils sont arrivés genre ultra vite. Ouais, il y a des grandes chances parce que ils sont arrivés. Si t'as eu le temps de faire qu'une seule IA, c'est pas possible qu'ils soient. Bah aussi. Oui. Ou alors ils étaient juste à côté, vraiment, genre ça a sonné instant. Ou peut-être. Et en tout cas, au top, pour l'instant, tout va bien. C'est ça. Ouais, espérons que ça dure. Pareil, y a pas de raison. De ouf. En tout cas, voilà, je sais que maintenant que les gosses, ils filent de la weed. Comme les SOA. Ouais, voilà, comme les SOA. Comme les SOA. Les crépuscules, c'est de la MET. Family Dricard, faux pape. Ouais, d'ailleurs, ça me fait chier. Family des faux papiers aussi, ça casse quoi. Ouais, ouais, grave. Bon, premier terminé. J'enquille. Vas-y. On. C'est parti. De toute façon, même si le deuxième il sonne, tu tires ce que tu peux. Il est pas réparé le deuxième. Mais non. Je te jure. Et le troisième, on sait jamais. Peut-être le troisième. C'est qu'il y a un gars qui s'est pris les flics sur les dabs et qui les a pas finis, qui s'est barré. Ouais. Il aurait jamais dû se barrer. Ah, le troisième il crache, c'est bon. Faut pas se barrer, tu te planques, t'attends et tu fais les autres après une fois que les flics sont partis. Bah ouais, c'est clair. Bah, faut vraiment jouer de malchance pour que ça ressonne juste derrière. Quoi. Mais de ouf. Bah.
tu vois, mes techniques, elles sont bonnes quand même. Hein. Ça marche. Ouais, ouais, clairement. De ouf. Bah là, j'ai, pour l'Inter, j'ai fait exactement ce que tu m'avais dit. Hein. J'ai mis la voiture petit parking en dessous, à côté, là, petit parking, voilà, là. C'est discret. Tu fais ton premier dab, exactement, tu ranges. Tu fais ton deuxième dab, tu ranges. Exactement. T'es au calme. Ah, mais j'ai développé des petites techniques pour travailler tout seul. Elles sont pas mal. Hein. Ouais, de ouf. De ouf, franchement. En mode, c'est là que j'ai même pas spécialement réfléchi. En mode, si je les vois d'assez loin, je cavale et j'essaie de me planquer de ouf. Juste, tu fais gaffe au bruit. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Selon de quel côté ils rentrent, tu peux essayer de te... Alors, s'ils sont sur toi et qu'ils te voient, c'est pas la peine. Mais s'ils te voient pas, ouais, et que tu les entends rentrer d'un côté ou de l'autre, tu peux te barrer de l'autre côté. Avec... Ouais, c'est ça. À l'entrée, de toute façon, ils s'annoncent, les mecs, avant de rentrer. Obligé, c'est dans leur règlement là, les speedy machin. T'entends les speedy, j'entre, tu cavales, hein, tu pars derrière, pouf, ouais, tu te jettes dans un buisson, pouf, merci, au revoir, y'a plus personne. Ouais, exactement. Allez, tac tac. Fini celui-là aussi. Bientôt. Parce que tu peux déjà remonter là, je pense. Ah non, attends jusqu'à la fin, on sait jamais. J'arrive par inadvertance, ouais, en haut et que je te récupère, c'est hors pour nous deux du coup. Ouais, c'est bon. Et ben j'arrive. Ça roule. On va faire le plein et on va aller au Belize après. Hein. Ouais. Ça l'a massacré le petit saut sur la light. C'est moi qui l'ai abîmé, je paye la répa, t'inquiète. Là, tu fais en sorte de prendre un coup de clé et répa que tu le fous devant ce coup. Vous évitez de me prendre un coup de clé, ça m'arrange. Oui. Hop, nickel. Hop, je file les queues trues du coup. Yes. Comme ça. Ouais, tant que je peux les fourrer dans mon sac. Ouais, c'est ça. T'en remplir. Comme j'ai quand même le gun sur moi, on est bien aussi. Ouais. C'est pour one. Aïe. Putain. Par contre, dans la première des chances, il va falloir qu'on aille refaire une commande. Ouais. Ouais. Coûte 4008 du coup. La commande. 4008 la commande, c'était combien? Et 62 bouffe et 120 boissons. Ok. Ça rentre tout dans le e-wagon, ça fait un coffre complet. Ok. Parfait. Hop. 4008 du coup. Ouais. Ah, ça fait 2004 chacun, c'est pas énorme en vrai. Ouais. Oui, ça va. Ça nous tient 2-3 jours correct. Mais voilà, c'est ça. Ça va un peu plus en vrai. Par contre, on est que deux, ça peut quasiment nous faire la semaine. C'est pas évident, je suis là beaucoup moi. Oui, bah oui. Oui, voilà. Après, quand il faut refaire un plein, je refais un plein, tu vois. Oui, de toute façon, on regarde des. Moi, je te fais le virement qu'il faut. Hein.
Même ceux-là, ils étaient vides. Comment ça? Hier, ils étaient tous vides. Ah ouais. Un enfer. Je peux rien faire. Non. Ça fait 3 jours, je dis, ça fait 3 jours dès que je suis tout seul, je peux pas travailler. Vas-y, après, on rattrape. Le miroir, je pense, ça ne peut pas être fait. Mais du coup, ouais, j'ai rencontré Mad Manteau, du coup. Ah bah tiens. Là, du coup, j'ai rencontré Mad Manteau, ça. Yes. Salut. Hey, c'est pas vous qui cherchez une flash GT? Putain, salut. Bah si. Ah ouais. Tu l'as plus, du coup? Si. Tu l'as plus? Ouais. Bah, je suis en train d'essayer de me faire l'étude. Et Mais t'as toujours pas la thune, là? Bah, en se faisant arrêter tous les soirs à chaque braquage de sup. Non, c'est un peu chaud. Ah ouais? Ah bah ouais, mais faut acheter la flash pour pas se faire arrêter. Ouais. Ah, pas sûr, parce que on m'a dit que les flics ils aimaient pas ça du tout et qu'il est conservé pendant 2 jours à chaque fois. Alors, non. Mais tu sais pourquoi ils aiment pas? Non. Mais parce qu'ils arrêtent pas, tiens. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'ils aiment pas. Donc, faut l'acheter. Ouais. Ouais. Du coup, faut l'acheter, hein. Pas hésiter. Hein? Vous allez voir, c'est super performant, vous pourrez travailler partout, ça va sur la terre, c'est très performant sur la terre, c'est très performant sur la route. Et bonne journée, Charlie. Attends. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est très performant partout, quoi. Du coup, maintenant, il faut investir. Écoute, moi, je vous conseille l'investissement. Thune, hein. Carrément. Ah ouais, t'as combien, toi, en thune? Là, on doit être à 80 000. À 2. Ah! Ouais, c'est pour ça, c'est galère. Ah ouais? Ah, il va falloir pousser fort, les gars. Bah ouais, clairement, c'est ce qu'on fait. Hein? Hein? Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai pas rappelé depuis, parce que tu m'as dit, tu rappelles quand t'as les sous, donc bah là. Ah bah ouais, mais ça sert à rien que t'essayes une voiture et que tu peux pas acheter, je veux dire. Mais je te dis, si les flics ils s'en plaignent. Je sais pas ce qu'elle valait, mais ouais, je sais que les flics s'en plaignent apparemment, et quand ils chopent les mecs avec les flash GT, pas la minimale, quoi. Ouais, enfin, mais ils les chopent jamais. C'est l'avantage. D'accord. C'est bon à savoir. Puis en soit, tu vas prendre une inter à deux, une inter à une. Mais en soit, si tu te fais 50 000 avec la voiture, elle est saisie 12 heures. Ouais, ça vaut le coup, quoi, toi. Ça vaut quand même le coup, ouais, clairement. Ouais, faut voir le bon côté des choses, pas toujours le mauvais. Yes. Bah écoute, merci pour les infos. Et puis, tu l'as toujours quand on a la thune, je te rappelle. Ouais, tiens, mal, mais pour l'instant, je l'ai toujours. Bah bon courage à vous. Merci de l'aide. Ouais, alors ça, c'est super bien pour apprendre. Ouais, bah ouais, c'est pour ça qu'on s'en sert. Et t'as mis suspension combien là-dessus? 2. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Vaut mieux que t'achètes la flash, mon avis. Sinon, essaye les suspensions 3, ils sont très bien. Ouais. Ouais, ne devrais pas te le dire parce qu'il faut que t'achètes la flèche, hein, pardon. Ah, bah ouais, pour tu m'étonnes, c'est important pour ton compte, ça. Ouais, exactement, tout pareil. M'étonne. T'as pas le nom, hein. Ouais. Bah, non. Il a raison, hein. C'est comme ça qu'on fait, hein. Bon, bah maintenant que Ouais, vous avez une bonne notice de la voiture. Ah, oh, putain. Yes. Ah, marche. Ah là, mes oreilles, elles sifflent, là. J'ai le téléphone qui crie. Au revoir. Allez, bon après-midi. Ah putain, mais ils sont encore, et y'a personne au bout du fil. Ah, ils ont pété mon téléphone, putain. Il est doué, il est doué. Il est doué, ce CG. Oui, c'est un phénomène. Hein. Hop là, 225 s'il vous plaît, messieurs. Ouais, c'est pour moi. Ok, très bien. Hop. Et tenez pour vous. Et voilà. Merci beaucoup. Et bah, du coup, très bonne journée à vous. Faites attention. Ah, et bon après-midi. Merci, au revoir. Putain, je comprends mieux pourquoi il voulait le choper. C'est l'enfer, ce type.
déjà. C'est pour ça que j'étais en train de demander. Pas de touche, c'est mieux. Ah oui, c'est le mec qu'on a, ok. Ouais. Non, mais ça va, ça veut dire qu'il nous a la bonne, il a pas capté encore. Ouais, tant mieux. Ouais, parce qu'il aurait capté, on aurait été dans le mal. Oui. Ouais, d'où est-ce que tu veux tenter les deux dabs où je me mets en haut sur l'autoroute? À savoir ces deux-là. Ouais, carrément. Allez. Vas-y, tu te laisses là, je vais me caler là-haut. Yes. De toute façon, tu peux commencer à braquer. Dès que t'entends une sirène, tu cavales, tu grimpes et on se barre. Ouais. Mais je peux rien voir. L'arbre me gêne toute la vue. Ah. C'est juste pour pas qu'il voit la voiture en fait. Si tu entends une sirène, tu lâches tout, tu cavales, tu grimpes. La voiture est ouverte, je démarre, on s'arrache. Ils auront le temps de rien faire. De ouf. Ça me fait perdre toute la visibilité. Au niveau du gros poteau bleu. Là où il y a le panneau d'affichage. Normalement tu peux grimper par là. Ouais. Normalement tu peux grimper par là, tu grimpes, tu rentres dans la caisse et on se... Yes. T'arrives à faire les deux tranquilles, bah nickel. Ça serait bien ouais. Parce que là, même si le truc il sonne pas, il y a du trafic quoi. Ah c'est ça le problème. Mais il y aura pas de CP. T'arrives à monter dans la caisse, il y aura 0 CP. Ouais. Ils pourront rien faire. Je me barre, je passe sous le pont, puis je ressors, je pars dans la ville, je me cache dans un parking, c'est fini. De ouf. Y'a les flics. Arrive. Allez, ramène-toi. Ils ont essayé de me taser les cons. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je me dis arrêtez-vous, vous tasez. Il me dit, allez, vas-y, t'as joué. Je t'explique, avant qu'il nous rattrape. Ah. Hop. Je suis dans ce parking là, en vrai. C'était le but. Donc, par contre, au prochain truc, ils vont pas nous bouquer. Après, ils n'avaient pas zéro info. Mais... Je suppose que t'as pas eu le temps d'en faire beaucoup. J'ai même pas regardé, j'en ai 20. Bon, ça va, c'est raisonnable. Alors j'ai le temps de voir la caisse. Qu'ils essayent de... Non. Je pense pas. Tant que tu rentres dans la caisse, j'avais démarré le moteur. T'es mort. Ouais, je les ai vus au loin avec les gyros, je fais... Oh putain. Putain, tac. On va aller les poser les liasses comme ça. Ouais. Ça c'est fait. Mais t'as la... Comment ? Le mec il sort de la voiture. Déjà il se me tassait. Loupé. Il s'est loupé. Et heureusement qu'il s'est loupé d'ailleurs parce que j'ai entendu le cours partir. Et il sort de la voiture et le mec fait, attends, oublie pas de fermer la voiture et tout. Ouais, non, une fois qu'on est parti, on est parti, elle a trop d'accélération ta caisse. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est juste, à côté de moi là. Ouais, j'ai vu la voiture venir vers moi, j'ai dit putain il est en train de courir. Ouais, je suis en train de courir, je l'ai vu au loin, j'ai tout lâché. Ah mais t'as bien fait, regarde. En tous les cas, on a fait 60 cases chacun. Ouais. On va les poser comme ça, même s'ils reconnaissent la voiture, qu'ils essayent quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Tac, je vais foutre la compta à jour pendant le trajet. Comme ça c'est fait.
Tac. Normalement on est bon. Là, c'est déjà ça de fait. Ah toi t'es pas mal hein, ils vont devoir des thunes. Ouais. Là techniquement je suis à 352. Ça fait... ça va faire du bien ça. On pourra largement tamponner l'achat du gain. Je les ai pas appelés savoir s'ils étaient là. Bah écoute, appelle-les au pire. Toi, t'as déjà pas mal de liasses. Hein. On peut déjà leur faire un premier aller-retour, ne serait-ce que pour toi. Ouais, voilà, comme ça au moins. Pour toi, hein, comme ça, ça libère aussi les sacs. Et ça, t'as fait un peu plus de liquidité aussi. Ouais, bah ouais. J'ai appelé Luc. De Luc Amy. T'as dû le ciné. Faut que vous arrêtiez avec ça. Je suis un libertin, moi je. Voilà. Elle est canon, c'est sûr, mais moi je suis un libertin, toujours tranquille. Pas de coupe, rien. Pas d'attache. Pas d'attache. Comme a dit un grand poète, pas de sentiments que des centimètres. Exactement. Ouais, ils répondent pas. Je crois qu'il aurait plaisir. C'est Georges en dernier recours au cas où. Je l'ai appelé juste quand je le suivais direct, mais il répondait pas au-dessus. Tu m'as glissé les verres dans le sac ou pas? Ouais, je t'ai tout glissé là. Allez, vas-y, je vais poser ça, j'arrive. Yes. Là. Après, si t'as pas de réponse de Georges, compliqué, on attendra. Ouais. J'ai peut-être évité de les appeler. Après, je sais que je peux appeler. Putain de con. Je sais que je peux appeler Freya, ça dérangerait pas, mais bon, ça n'a pas envie de passer pour le. Pas de forceur, tu vois. Après, je pense qu'ils ont une soirée difficile. Ouais. Ouais. Pas poser de questions, j'ai pas demandé parce que ça me regarde pas, tu vois. Ouais. Et je pense qu'ils ont passé une sale soirée hier. Ah. Ouais. Bon, ça, ils ont besoin de renfort, hein. Nous recruter. On verra bien pour l'instant. C'est ça. Je me contente de leur montrer que je travaille. Ouais, c'est ça. Hein. Là, et que je le ramène à eux et que eux qui m'intéressent. Oui, je suis là s'ils ont besoin. Voilà. Première soir, on se répartit. Ouais, voilà. Je serais couché 2 minutes après, on serait partis tous les deux les récupérer, tu vois. Ouais, bah oui, clairement.
comme ça, hop hop hop. Mais ouais, on... pas montrer qu'on est intéressé, bah je pense qu'ils le savent. Bon. Continuez, de toute façon. Dès qu'on peut enfiler des infos. Plus tard dans l'après-midi, il va falloir qu'on vende les paplards des familles aussi. Ouais. Débarrasser de ça. Bah ouais, ouais. Ça, on va bien les liquider, comme ça on leur ramène, on récupère la thune. Ouais. Et là, je veux plus rien devoir à personne. Mm. Donc la période est. Comme tu dis, peut-être qu'il va se passer des choses. On sait jamais. Donc je veux plus rien devoir à d'autres groupes, tu vois. Ouais. Ah, c'est vraiment exclusivement par. Par eux, et voilà. Où est-ce qu'on peut aller faire des dabs? Il y a potentiellement le parking avec les 4. Ouais, mais ça c'est chaud, je peux surveiller qu'un côté. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, sinon il y a ceux-là à côté, là. Dans le coin, là. Là-bas, là. Ouais, il y a ces deux-là, là. C'est de là. Le truc, c'est que c'est de là le seul échappatoire que tu aurais, c'est passer derrière, grimper là-haut et te planquer là-haut avant qu'ils arrivent. Ouais, c'est ça. Donc à la limite. Le truc, c'est que moi. Toi, te foutre un carrefour. Je pense qu'ils arriveront d'en bas de toute manière. En bas, tu crois? Ouais. Soit d'en bas, soit d'un des côtés. Et là, le problème, c'est que de toute manière, quel que soit le côté, je pourrais pas le voir. Même si ça arrive d'en bas, je le verrai vachement tard. Ouais, mais ça peut arriver de l'en haut aussi, tu vois. Ça peut potentiellement arriver d'en haut, mais je pense qu'il y a moins de chances. Bah écoute, je te pose là, je vais me caler en bas au carrefour et puis tout le truc. Hein. Ouais, bon, fais ça. Hein. Au pire, dès que j'en ai fini un, tu passes vite fait, je te fous dans le coffre, tu repars et je refais le deuxième. Yes. Vas-y, on va faire ça. Allez, ça part. Il décroche pas. Ah, nickel. Ah bah oui, j'ai t'appelé déjà, mais... Ouais. Ouais, le téléphone était un peu cassé. Ah ok. Des dingues. Ok, nickel. C'est parti. Où tu es garé au carrefour. Ouais, jamais. On va voir. Hein. De manière, là, il y aura que des genres de dabs, sinon on peut aller à Miroir. Mais... Ah non, pas ça, ça, c'est pas mal, merci. Après, s'ils arrivent d'en haut, je peux rien faire, mais le seul conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de se barrer derrière, de monter à l'escalier sans qu'ils te voient. Ouais, c'est ça, bah, s'ils viennent à mon niveau, bah, je m'arrêterai, et voilà. Hein. Ça changera, hein, je te filerai mon gueule, ouais. Juste après moi les dabs, c'est tout. Ouais. En tout cas, ça crache. Tant mieux. Ouais. D'observer, voir si ça arrive. Bah, moi je suis au carrefour, je sais aussi. Vu que t'es au carrefour, moi je sais que je partirai par en haut. Ah, mais tu passes. Tu passes derrière la... Tu passes au milieu des deux bâtiments, grimpe direct à l'escalier. C'est le plus facile. Ça. Une fois que t'es en haut, t'es planqué. J'entends des sirènes de loin, mais c'est bon, je les entends plus. Ah, moi je les ai pas. Donc c'était de l'autre côté, tu vois, c'était par en haut. C'est par en haut, vers en face, je pense. Ça doit être vers vers l'est. Premier vide. Ça fait anti.
Ouais, il y en a avec 26 dedans. Ok, c'est pour ça qu'il a pas sonné alors. Ouais, je pense. Tu veux que je passe récup? Ouais, tu peux passer récup. Ça, s'ils me prennent. Ah! Non, c'est bon. Bien. Donc hop, hop, c'est reparti. Tu joues au carrefour. Ah, il est pas réparé le deuxième. Tu peux venir récupérer, je pense. Bah écoute, prends ce qu'il y a dans le coffre et j'arrive. Ok. Allez, on s'arrache. Yes. Il y a ces deux-là aussi. Ouais. De là, je l'ai fait tout seul en me garant dans le parking souterrain. Ouais. Ouais. Je me gare là, t'as un petit parking souterrain, bim. Ouais. Dès que t'entends une sirène, tu te casses, tu vas dans le parking. Ouais. Bah, vas-y, hein. Attends. On a un autre qui est bien aussi. Ah, un celui-là. Celui-là. Ah, oh, je le connaissais pas, celui-là, il est punchy. Celui-là est génial. Punchy parce qu'il est planqué. Et si t'as une punto, tu peux la foutre dans le buisson. Alors, moi, la caisse, ouais. Je la fous. Qu'est-ce que je suis tout seul? Ouais. La fous là au niveau des buissons, là, tu vois. Ouais. Planqué. Dès que je dois me barrer, je monte dans la caisse. Rap. Je me casse sur l'autoroute. Il y a un hélico et les Speedy qui nous guettent. Ah. On va aller se faire foutre. Non, il nous regarde. C'est à gauche. Ils s'approchent sans devoir là. Ça doit être pour une sup, je pense, non? Ouais, pour une sup. Je pense. Je peux t'expliquer. Et là, tout. Ouais, bah vas-y, ça part. Je connaissais pas celui-là, incroyable. Bien sûr qu'il est incroyable. Allez, vas-y. Tu l'as, je vais mettre là où je t'ai dit que je garais la caisse. Comme ça, si on doit se barrer. Ouais. Tu cours, tu passes par-dessus la haie là. Ouais. On me rejoint et putain, on se casse sur l'autoroute. Ok. Par contre, je pourrais pas guetter les flics. Un truc, tu pourrais pas guetter les flics par contre. Ouais, bah dès que j'entends une sirène, tu lâches tout à l'heure. Ouais. Allez, nickel. Ouais, je te garde au téléphone quand même, comme ça si tu me dis que t'arrives, je peux démarrer le moteur. Moi je suis sous les arbustes, je suis vraiment au fond du truc de la haie, sous les arbustes. Ouais, ça, les micros, ils peuvent pas me voir. Ok, de toute façon, j'ai passé les deux haies direct là, la petite haie direct, la grosse haie derrière, et je cavale. C'est vide, sa mère. Ouais, c'est sûr, les Gucci celui-là, tout le monde veut. Ouais. Ça fait chier. Ouais, bah, et de ouf. On va aller faire le plein. Ouais, hop.
Le truc, c'est qu'une fois qu'on les a déjà tous évités, ça devient compliqué après. Ouais. Bah, je pense qu'il va falloir attendre que groupe 6 il fasse une petite tournée, tu vois. Ouais, clairement. Sauf qu'on remonte, on va prendre du FP, on va se poser vendre. Bah, si tu veux essayer Mirror. Vas-y, on peut essayer Mirror. Comme ça, c'est fait. Et après, en remontant, on peut faire celle de d'habitude, là, sur le chemin, là. En 5000 et quelques, là. Ouais. Voilà. Hein. Je vais essayer de taper celle-là et puis on va voir ce que. Ça fera déjà un truc pas mal. 120, c'est déjà un peu de faire. Si les deux passent. Oh, ça, ça, on va faire 75 chacun. C'est pas mal. C'est comme de la mauvaise herbe là. Au parking derrière, comme ça je cours par là, là je vais le côté, je te rejoins. Ok, ça marche. Yes. Yes. Les hostilités. Vas-y, tout au fond du parking, comme ça tu pourras direct rentrer dans la caisse. Ah, l'enculé, il est pas réparé le premier. J'espère qu'il a pas fait le deuxième. S'il n'est pas réparé, potentiellement, et qu'il l'a pas fini, qu'il y avait les keufs. Donc peut-être que celui-là. Et celui-là est vide. Bon, bah, j'arrive. Et bah, nickel. On va aller tenter celui en 5000 là. Ouais. Et pour une fois, c'est toi qui vas le braquer. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe. La pression. Est-ce que le padawan arrivera à se faire aussi bien que le maître? Pareil, tu t'en es bien sorti aujourd'hui. Ouais, ça va. Hein. Franchement. Pareil, ma foi. Ça fait du bien. Pas braquer, me faire péter à la première. Eh. C'est pas génial comme sensation. Franchement, d'ailleurs j'ai fait la première, j'avais une pression. Je me dis, non, pas encore, s'il te plaît, pas encore. En plus, tu me fais péter. Eh, vas-y, je pourrais pas faire de dab ce soir, je crois que j'ai que de chouf ou tu vois. Et si tu fais péter derrière, on est keblo. Après, bon, la récidive, bon, on peut la tenter quand même, tu vois. Sur la dab, c'est pas bien. Sur la dab, c'est pas bien méchant, mais. Au final, ouais, un petit peu là. Ouais, t'as quand même fait presque 300 mètres. Ouais, plein de techniques, elles sont ouais, clairement. Ça permet de bosser sans se faire emmerder, ça permet d'essayer de faire le max, de sauvegarder même si tu te fais choper, t'en as dans la voiture. Ouais, c'est ça. Ça, la technique de mettre dans la voiture, je le faisais déjà.
Ouais, tu fais technique, hop, mode, hop, buisson, hop, machin, tu sais, de checker avant de faire, voir ce qui. Les possibles échappatoires. Toujours, 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 toujours. C'est Obi Dab qui nous. Non, c'est One Touch Dab. Ouais, pour le coup, c'est plus One Punch Dab, ouais. J'ai trop de surnoms, ça y est. Les autres, ils m'appellent la Team Rocket, ils m'appellent Culbut Hockey. Ouais, de ouf. Ah, ouais, j'ai toujours mon masque. Je vais mettre là-bas et je t'appelle. Yes. Allez, let's go. Et d'accord, tu te mets au pont où il y a l'espèce de croisement là et le marchand de fruits là. Ouais, c'est ça, je me fous derrière, il y a le petit buisson là. Je me mets juste devant le buisson, pas dans le buisson. C'est comme ça, quand ils arrivent de. Vu qu'ils arrivent souvent de là, bah ils me voient pas en fait. Ils foncent, ils me voient pas. Hop, moi si je pars par là là. Ah, si tu pars, tu pars derrière et après tu traverses la rivière. Ouais. Ah, t'es... Ouais, oh. Me résiste. Moi, je suis calé entre la camionnette du vendeur et son truc là. Ouais. Ah, c'est que tu me résistes, coquinou. Il faut qu'il existe. Ouais. J'aime. J'aime quand il te résiste. C'est ça. Mais il me résiste bien, 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 là. Ah, et ça arrive. Ça arrive. Des fois, ils ont pas envie. C'est groupe 6. Des fois, ils les répartent. Ils les renforcent un peu. Là, ils mettent 2-3 couches de protection. Là, il faut forcer. Ah, ouais, ouais, ouais. Du coup, des fois, là, t'arrives pas. Là, non, c'est pas me connaître. Je suis un gars têtu. Et let's go. Et maintenant, c'est le grand jeu de combien on va réussir à faire de liasses avant qu'il débarque. C'est ça. Parce que celui-là d'ATM, pour le faire en entier, vas-y. Ouais, de ouf. Bah, faut pas qu'il sonne, quoi. Ouais, c'est ça le truc, mais... Les shérifs, ils sont à l'affût de la moine sonnette. Ouais, bah... Les mecs, ils me disaient chez eux, il y a tellement rien, tellement peu d'activité que... Ah, tu peux les super être chez eux, t'es sûr, ça part en CP direct. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment. Le shérif, c'est un gars qui a l'air sympa, mais avec qui il faut pas trop jouer au con, tu vois. Ouais, ouais. Ok, j'ai quelques fois à faire à lui et ouais. Et ouais. Mais même ça, il m'avait nasmé quand. Il me fait, ouais. Tu vends le truc en rouge et tout machin, quoi j'ai habillé en rouge, il m'avait pété sur une sup et tout. Je dis ouais, tu bosses pour qui et tout machin. Je dis bah personne, je bosse pour moi, je suis en indé et tout ça. Il dit ouais, et le truc rouge c'est pourquoi. Je dis ah c'est comme ça et tout, j'aime bien. Il me fait, tu sais que je suis au courant hein,
que la mano font les trucs et tout, ça sert à un mytho et tout. J'ai dit, mais non, mais c'est pas ça. Il dit, ah bon, bah, j'ai appelé monsieur Collins voir ce qu'il en pense. J'ai dit, non, ça va. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Il dit, moi je peux donner ton nom à monsieur Collins, je suis pas sûr que ça aille bien. Hein. J'ai dit, ah ouais, d'accord, non, c'est bon, ça va. Oh. Bon, je participe. Ouais, participe et tout. Il dit, oui, mais pourquoi me mettez la pression pour une info que vous avez déjà? C'est bizarre. Déjà, c'est pour confirmer tout ça. Ouais, d'accord. Il en avait attrapé plusieurs autres apparemment. Bah, et tu m'étonnes. Vous étiez beau. Ouais, mais ça, au fil des jours, les gens ils venaient beaucoup moins. On était 16, je crois, au début. Ouais, quand même. Ouais, on était pas mal. Ah, j'ai tout fait, c'est vide. Ah, et c'est pour ça qu'il y a eu personne alors. Ouais. Et j'en ai. Bah, j'en ai 45 quand même. 45 ? Ouais. Putain, incroyable. Le pote. Nickel. Ah, oh, ça c'est bien ça. Hop. Ça c'est pas mal ça. Et ton masque, range tout, je suis là. Ouais. Nickel. Allez. La petite dernière, la petite gourmandise, histoire de. Comme ça, groupe 6 va pouvoir venir le remplir. Voilà, exactement. Nous, on est comme ça, nous, on offre du travail. On n'aime pas, là, ils s'ennuient, tout ça, ils savent pas quoi faire, ils tournent en rond. Ah, c'est ça aussi. Ouais. Pour faire travail. Si, sinon, ils servent à rien. Bah, de ouf. De ouf. Ils font le transport de fond, mais. De ce que j'ai vu plusieurs fois, je passais à côté, ouais, t'as le camion, mais t'as souvent un bowler qui suit. Plusieurs fois, en arrivant comme un bœuf, je me suis retrouvé entre le camion et le bowler là. Et non, je me suis plus sur le côté gauche, je dis allez, arrêtez-vous. C'est sûr, mais bon, derrière ça, ils font quoi? On n'a pas les tables, ils sont souvent vides et tout, mais ça casse les couilles. Ouais. Après, le problème c'est qu'à deux, pour braquer un groupe 6, tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ils ont pas fait demi. Hein? J'ai eu peur que les flics fassent demi-tour. Ah. Et je range toujours la caisse par sécurité le temps de préférer. Ouais. Bah, du coup hier j'ai dû prendre le wagon pour aller les chercher parce qu'ils étaient deux. Ouais. Ah, je me suis pas fait prier. Tu viens nous chercher ici maintenant. Ok, j'arrive. Ah ouais, d'accord. T'en avais combien sur toi là du coup? Moi j'en ai pas 26. 26? Ça fait 13 chacun plus les 40. Voilà, comme ça tu peux tout diviser par deux. Yep, nickel. 71 divisé par deux. Du coup 35 et 36. On peut prendre les 36 comme d'hab. Yes. Ça roule. Du coup, toi 35. Ça te fait 111. 36, ça fait 88, c'est ça, nickel. Et puis c'est un coup, j'arrive. Yes. Et je vais effectivement vidanger ma vessie, je reviens.
là, me revoilà. Allez. Quoi? Quoi? Mais arrête, Mickey! Désolé, j'ai mon chien qui me gratte là. Non, tu ne monteras pas sur moi. Couche. Allez, let's go. Pff, attends, on a pris une vingtaine, toi aussi? Ouais, j'ai pris 20. Fallait que les 20 des femmes. Ouais, ouais, nickel. J'ai pris la même. Comme ça, au moins. Ouais, on se débarrasse de ça. Et coucou Inaël, et merci Inaël pour le plus long. Exactement. Comment qu'elles allons celles-ci? Il se couche, il se lève là, il se couche. Oh putain, casse les couilles. On va aller à Vanwood. Ouais, pareil. Ouais, comme ça on se débarrasse des trucs des familles, on leur ramène. Ouais. On leur ramène, on leur récupère. Moi je leur récupère la thune, je leur prends rien d'autre parce qu'on sait jamais. Ouais, pareil. Hein. En tout cas, pour l'instant, tout de suite, je leur prends rien d'autre, ça fera juste de la thune. Ouais, c'est ça, au cas où c'est vraiment la merde, on peut plus vendre et qu'ils n'ont rien. On les rappelle. Ouais. On peut prendre un peu chez eux ou chez d'autres. Je préférerais prendre chez les Drekars, mais bon. Bah ouais. Ils sont pas là et que. Ouais, et qu'en ce moment, chez eux, c'est compliqué pour avoir des produits. On verra s'ils peuvent pas avoir chez les familles, puisque les. Voilà, mais sinon, c'est pas la peine. Ce yes. Soir, ça va être compliqué de faire des soupes. Après, c'est bien que j'aille à ça, prendre des ondes crémaillère là, parce que s'il arrive à faire venir. Il avait fait venir que des gens du vignoble, mais s'il arrive à faire venir des keufs un peu, je vais pouvoir gratter un peu des infos. Ah, j'avoue. Et jamais. Pour peu que tu les fais un peu boire, tout ça. Et ça, le truc. Il vibre un peu. Hop. Ça, le truc. Qu'il part. Ça boit un petit peu, que ça déconne un peu, ça fait un peu des blagues et tout. On sait jamais ce qui peut sortir au courant d'une blague. Je jure. Comment ça va, vous allez bien? Ah bah oui, non mais c'est sûr, mais nous on est pas. Moi je le sais HRP, mais on n'est pas censé le savoir RP parlant. HRP, je le sais. Et même RP parlant, Rick est au courant de rien, puisqu'il lui a rien dit. Georges, il lui a juste dit, viens nous récupérer. Tel endroit. On était pas loin de là. Catastrophe. Mais voilà. Il a reculé d'un coup là. Je crois que c'était dedans, mais j'ai fait l'insulter. Et c'est ça. Ah, ouais, bah bossez-vous. Qui ça? Ah non, c'est groupe 6. C'était groupe 6, ouais. Il y avait le fameux voleur que je disais, il suivait là. Parce que tu as trop dormi. Ouais, d'accord, j'ai pas fait gaffe, j'étais en train de me concentrer sur autre chose. Hein. Ouais, bosser. C'est les gars qui remplissent les tables pour qu'on puisse retourner en taper après. Exactement. Ouais, c'est ce que t'as fait. Hop, parfait. Ah, je sais que ça a bougé, je sais que Georges m'a appelé et m'a dit « T'es là, prends telle voiture, viens nous chercher », ce que j'ai fait. Et puis voilà. Hop, on laisse un peu dans le... Ouais, je vais en poser 10 aussi parce que. Ouais. Tac tac. Bah non, pas déjà. Ouais non. Oh, putain. Ouais, je vais poser mon sac dans un buisson là. Yes. Je mettrai dans le coffre après. Ah bah tiens, ça commence déjà à arriver. Hein. Ouais les gars, allez, continuez comme ça les gars, gardez-les en CP avec vous.
Et non, c'est plus. Wesh l'équipe, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, frérot? On fait comme d'hab, hein. Tu connais la chanson maintenant. Bah oui. Hop, il nous laisse bosser tranquillement, et que le mec t'a pas vu. Ah. Merde! Moi, il faut pas que je me fasse choper. Oh, t'as le. J'ai mon putain de neuf. On va le poser dans la voiture à la limite. J'ai plus les clés. Elle est passée au. Ah, je... Elle, merci. Je vais poser le sac au passage. Yes. Putain de merde. Techniquement, ils sont tous en CP, 300 balles. Allez, ça va, Max. I may just be a waitress, but I still exist. You're not wrong. Sometimes I need a good laugh, so I go to the split sides and see some stand-ups. Et coucou mon Charlie Boy, ça va ou quoi? À quand les modes culbutoqué? En vrai, il risque d'en falloir une de culbutoqué. Mais il va falloir que je vois avec quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un pour me faire des émotes parce que je ne sais pas les faire. Moi. Oh. Pourquoi je bug là? Ah, c'est parce que je vends, c'est ça? Wesh! Pourquoi je peux pas... Me dis pas que c'est tempête. Si c'est tempête qu'on se fait souffler, on perd 10 faux papiers chacun. C'est tempête. C'est une tempête. Quel enfer. Et merci beaucoup Minaï pour le Prime. Putain, l'alerte elle marche que quand on rafraîchit la page. C'est une horreur l'alerte du Prime. Allez, au revoir, 20 faux papiers. Ah, je peux déjà bouger ça sur la compta. Ah ouais, ça vient de tomber à 4... Bah, de toute façon, vous avez la rocade. Là, là, vous avez la rocade. Donc, vous pouvez voir que ça chute. Ça chute très très fort. Adios les FP. J'essaye la connexion, il veut pas. En tout cas, merci beaucoup pour le prime, ça fait... Merci beaucoup. Alors, c'est pas moi qui les ai faits. On remercie Minouche qui m'a fait les badges. Ils sont tout bonnement incroyables, ces badges. Ils sont stylés de ouf. Bah, la rocade, tu vois rien, la rocade elle est retombée, puis là il y a des gens qui arrivent à se connecter, moi quand je clique connexion, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a envie de se connecter, tu vois. Putain, parce que j'ai pas fermé 5M pour qu'il puisse le relancer. La voiture a pas bougé, ça va. Si la voiture a bougé, c'est d'edge. Elle a géré, t'as le bronze premier mois, argent deuxième mois, or troisième mois jusqu'au sixième, après c'est une double... C'est un motif double, bronze de 6 mois jusqu'à 9, argent de 9 jusqu'à 12 et or à partir de 1 an. Ils sont stylés de ouf.
J'espère juste que la voiture n'a pas bougé. S'il n'y a plus la voiture... Il n'y a plus la voiture. Allez, let's go. Let's go, on a perdu 10 faux papiers chacun. Heureusement que j'ai pas posé mon gun, sinon j'aurais perdu mon œuf. Ouh, je suis content de pas avoir posé mon œuf. Envie de vécreux. Putain. Bon, moi j'ai bien fait d'enlever les 10 faux papiers à chacun, à lui et à moi sur la compta. Allez, redémarrage du serveur par Fafa. Hop, hop, hop. Non, ça va spam clic la rocade. Voilà, là, là, là. Ouh, je suis 12e. Je suis 12e sur déjà 150 joueurs. Je suis dégoûté. Dégoûté parce que du coup, là j'en avais 20 et lui il en avait 30. Il y en avait 20 au Familiz et 10 au Drekar. Et moi j'en avais 20 au Familiz du coup, parce que bon, les Drekar hier soir vous étiez pas là. Ben, j'en avais 20 au Familiz de faux papiers. Et lui, il en avait 20 au Familiz et 10 au Drekar. Mais du coup, on a perdu 10 chacun, parce qu'on avait mis tous les deux 10 dans la voiture. Donc, ben, je viens de perdre 10 faux papelards. Il m'en reste 9 sur moi. Et lui, il lui en reste 10 à la maison et 10 sur lui. Enfin, 9 sur lui s'il a vendu. Voilà. Je vous présente la compta. Notre compta à nous. À la rocade. Il y a déjà 170 joueurs en attente. Il a bien bossé tout seul aujourd'hui en utilisant les techniques que je lui ai données. Parce que dites-vous que ça, d'habitude, il n'arrive pas à le faire tout seul. C'est moi qui lui ai donné les techniques pour certaines dabs et tout, lui expliquer comment je les fais seul. Comment je fais attention avant de les faire, ce que je surveille, ce que je surveille pas. Il a réussi à taper du dab tout seul. Il a fait quasiment presque 300. Il a fait presque 300 liasses avant que j'arrive. Il a dû faire 200, 230 liasses seul avant que j'arrive. C'est beau. Ça prouve que j'arrive à lui. J'ai réussi à lui faire choper 2-3 petites astuces. Et tu vois, Enael, moi aussi, je note maintenant. Je note Mjolnir combien, Skegox combien, et Gungnir combien, parce que sinon. Sinon, je vais pas m'en souvenir. Bon, le serveur est toujours éteint. Aïe aïe aïe, qui galère. Hé, hey, coucou, coucou Nyx. Wesh Kiwi, coucou Nyx, merci beaucoup pour le follow. Bien sûr, t'as le droit à un petit résumé, mon Charlie Boy. Du coup, actuellement, ouais, ça souffle fort, ça fout les boules. Hein. Mauvais timing, tempête. On fait coucou, on dit tout coucou à Nyx, du coup, qui joue Richie, mon partner in crime actuel, mon coloc actuel, le coloc de Rurik, son collègue de crime. Eh oui, je sais que c'est Richie. Et du coup, bah pour le petit résumé, Rurik a fini sa semaine donc ignoble et il a eu assez pour s'acheter sa caisse. En travaillant 2 jours, il a réussi à avoir assez pour se prendre la caravane. Du coup, Rurik se retrouve avec caravane et bagnole.
Et les Drekar lui avaient passé le numéro de Richie. C'est joué par Nyx, du coup. Vous avez gardé un petit peu le contact le temps qu'il fasse sa semaine, que Rurik fasse sa semaine au vignoble. Et là que sa semaine est finie, du coup, il s'est mis à bosser avec Richie. Donc l'après-midi en semaine, je suis tout seul, forcément. Du coup, je bosse tout seul. Et en gros, le soir, on bosse tous les deux. Et du coup, ben, comme tu as vu sur la compta, on a chacun son truc. On partage tout en deux. Quand tout ce qu'on fait ensemble, on le partage en deux. Ce qu'on fait seul, c'est chacun sa pomme, hein, forcément. Et du coup, ben, on se contente de bosser. Bosser et de faire des sous dans le but d'intégrer du coup les Drekar, puisqu'on bosse quasiment exclusivement avec eux. Les seules autres choses qu'on fait pour d'autres groupes, c'est quand les Drekar n'ont pas de produits. Ben, quand les Drekar n'ont pas de produits, Kiwi, exact. Quand les Drekar n'ont pas de produits, ça vient chez les Verts. Ça, c'est mon petit plaisir perso. Puis parce que Flash, il a lancé 2-3 pics à Rurik en mode il lui a glissé 2-3 petits pics, il lui a fait comprendre certains trucs. Mais Rurik va chez les families quand il a besoin de faux papiers ou autre et que les Drekar n'ont pas. Voilà, c'est le petit deal. Il passe chez les families. Comme ça. Hein. Comme ça. Ah, on va pouvoir se reconnecter. On se fait chier dans tous les cas la caisse. Elle est retournée à la maison et on a perdu 10 faux papiers chacun, mais pas le choix. La sainte musique. Ça prend du calibre pour éviter de se faire soulever par Charlie. Là, on a un calibre chacun, on est tranquille. Quand on fait du dab à deux, il y en a un qui surveille, l'autre qui casse le dab. Du coup, ben, celui qui surveille, il a un calibre sur lui au cas où il y ait besoin de quoi que ce soit. On galère à faire des CP pour les sup. Du coup, on se dit, si on est en récidive tous les deux, ben... voiture, gun, et tu braques les braqueurs de sup. Si c'est des PM, si c'est des gangs, tu les laisses. Si c'est des PM, ben, tu les braques, tu sors avec 2-9, tu les braques, tu leur dis donne-moi tous tes sacs et tu te casses. Voilà quoi. Ah ouais, dis-moi que t'es bien placé dans la rocade, Nyx, s'il te plaît. Dis-moi que t'es bien placé. La rurie qui revient, mais. Wouah, 65. Mais tu sais quoi? Heureusement, vraiment, heureusement que j'ai pas eu le temps de poser ce putain de neuf dans le coffre. C'est rien, je suis en train de reconnecter le serveur vocal comme il faut. Pour pas que TS y fasse de la merde. Ouais, parce que sinon j'aurais perdu ça là. J'aurais eu un peu du mal de le perdre. J'aurais été pas trop bien. Déjà qu'on a perdu 10 faux paplards chacun, ça pète bien les couilles. C'était 65, j'ai le temps de prendre un vélo et de monter jusqu'à la maison, je te le dis moi. Les vélos sont loin. Bon BRP vélo. J'ai quand même essayé d'aller prendre un vélo et de remonter jusqu'à la zone. Hello, blind asshole. Pourquoi les... Ah, je vais vriller. Merci beaucoup Nyx pour le sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. La putain de sa mère, pourquoi mes alertes elles marchent pas? Ça par contre, ça va me gaver. C'est pas la première fois et mes alertes sub elles marchent pas.
bah là RP vélo. Par contre ça me gave que mes alertes elles marchent pas, c'est pas normal. Eh ben ouais, non mais activez, bien sûr qu'activez mes alertes. Ils sont pas juste followers. What? Attendez, attendez, il y a une couille. Déjà on a les alertes de follow, mais il y a une couille là. Comment ça? Il a même pas pris en compte. En train de me gonfler là, ça me plaît pas. Non, 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 c'est parce que j'ai relu l'annonce. Elle a follow avant. Je pensais que c'était l'annonce de sub, j'ai relu l'annonce. Et en fait, j'ai pas les annonces de sub, même sur le site de... J'ai pas les annonces de sub même sur le site directement. C'est ça qui me plaît pas. Il me prend pas en compte les subs en fait. Je sais pas pourquoi. Il me prend pas les subs en compte, je sais pas pourquoi, et ça me casse les couilles. Ah, il va falloir que j'essaye de régler ça avant ce soir aussi. Ça me pète les couilles, ça. Si j'ai pas les annonces, ça me pète les couilles fort. Mais parce que... Non, non. Elle a follow direct en arrivant. Moi, j'ai le chat, je peux remonter tout en haut. L'annonce, elle vient... Elle y était directe. C'est juste que je l'ai refait pop, l'annonce. Parce que je l'ai relancé en pensant que c'était celle de sub. Je garantis que son vrai follow, quand elle a follow, il est tout en haut. Je l'ai, moi. Je l'ai. Il était juste avant que tu dises hello. J'ai des annonces de follow mais pas les annonces de sub, c'est ouf. Merci beaucoup Zaylid, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bientôt au vélo. Oui. Ah, y'a plus Victor. Y'a plus Victor. Et Rurik maintenant. Rip Victor. Ah, maintenant c'est Rurik. Il est bien Rurik. Oh mais c'est Gigi, mais oui c'est Gigi. Et merci les cheveux de Strat pour le follow, merci, bienvenue. Il est arrivé avant. Amic. Ouais. Putain de tempête à la con. Ouais, bah ouais, mais on parle pas, on a perdu 10 faux papes chacun, ça fout les boules. Ah putain. Casse la tête. Ouais, de ouf. Attends, je suis en train de me demander lequel c'est le vélo de route. Là. Ah. Bah, y'en a pas, mais putain, mais non, mais je veux pas cette merde, moi. C'est vrai que c'est le troisième. T'es dans le gouv là? Ouais, je suis au gouv.
J'allais aller remonter récupérer la caisse. Et oui, c'est Gigi. Ça va ou quoi, Gigi? Ça part en course de vélo, tour de VLS. Ah ouais, 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 là je vais remonter, je vais récupérer la caisse et puis je vais venir te récupérer. Hop, ça roule. Ça roule, ça roule. Ça va, nickel, merci. Bon, bah, à part la tempête qui casse tout, mais. Tac, ça va, nickel. Ouais, c'est Victor, il me permettait pas de faire ce que je voulais. Il allait pas bien avec les familles, il me permettait pas de faire ce que je voulais. Et du coup, j'ai changé de perso. On va faire ça, ouais. Parce que là, c'est pas bien. Je pédale comme un porc. Ah putain. Ouais, j'étais pas à l'aise avec le perso, et Rurik je le connais bien, c'est un perso que j'avais déjà joué, je peux faire plein de trucs. En plus ça pour aller vers là-bas, tu as tapé toute la montée là. Bah ouais, je suis déjà en train de me taper la côte, entre les villas de merde. Ah, tu vas avoir un fessier de l'espace. Ouais, t'inquiète. Comme ça, quand j'aurai un partenaire de plaisir corporel, je pourrais lui dire vas-y. Alors, essaye de mettre une PC, tu vas te briser les chevilles. Putain, j'ai plus de jus, j'arrive plus à grimper. Ça va. T'as pas fait une crise là? Pas une crise cardiaque là? Tu as bien accroché là? On pédale, on tire le mouvement. On tient la cadence, on lâche pas. Quel enfer. Ah, ah ouais. Il m'a renversé lui. Ah le bordel. Allez, tu tiens, il y en a encore dans les jambes là. Je vais leur montrer c'est quoi ça. J'ai jamais vu quelqu'un faire du vélo avec des bottes. T'as dû te faire une petite piqûre de PO avant. Au pastis olive. Au pastis olive aussi, ouais. Les deux fonctionnent. Bah, le PO, c'est l'eau pastis olive, non? Français qui font ça, je crois. Ouais. Mais vas-y, mais. C'est de pareil, mais dans du seringue, je crois. Mais après. L'autre, elle a essayé de me faire tomber là. C'est un dommage, tu es en train de faire vélo, j'ai deux doigts de te courir après avec une bouteille d'eau là. Allez, champion, lâche pas. J'ai quasiment arrivé dans la descente. Après, c'est que de la descente et du plat. Oh putain. Hop. De toute façon, je remonte par la route du. Théâtre. Ici, juste avec quoi? Hey, je pense que j'ai le théâtre là-bas. Ouais. Sisyphus théâtre. Ouais, c'est ça? En 50-26. Le théâtre du Skenfus. Ouais, ça va. T'inquiète. Je te rejoindrai là-bas. Putain, ça y est, la descente. Oh, le bonheur. Allez, let's go. Allez. Les villes, attends, y'a des baraques ici là, Ah, c'est au pastis olive, mais c'est pas l'olive avec les WAD. C'est l'olive à manger pour l'apéro. Ça vient de chez moi au pastis olive, ma foi. D'être un sprinter là. Lance Armstrong sans dopage. Allez, continue, t'auras peut-être le maillot à poil là. Ouais, je vais surtout finir à poil, ouais. Ouais, je sais pas si le vélo à poil c'est bien. Ouais, je sais pas. Ouais, y en a bien qui font du vélo sans selle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Après, je trouve le vélo sans selle, ça manque de goût, quoi. Bah, il faut avoir le cul bien accroché, le cœur bien accroché, ouais. Ouais. Ah bah là, si tu t'assois, ouais, c'est compliqué après. Hein. Là, j'ai mal au mollet. Hein. J'arrive à peine au marchand de fruits là où on se bloque pour le dab. Ah ouais, ça va. Il te reste pas beaucoup là, t'as fait le plus dur là. Je vois un mec courir. On n'est pas les seuls, je vois un mec courir. Ah. Lui, il est arrivé par son petit. Courage, l'ami. Un mec en jaune et noir, je lui dis courage, l'ami. Au téléphone aussi. Ah. J'ai passé le radar là sous le pont. Je me rapproche de l'objectif. Objectif en approche, je répète. Objectif en approche. Contraction des mollets au maximum. Je vais avoir des crampes, ça va être la merde pour conduire. Bois un coup, hein. Bois un bon coup en arrivant. Hein. Heureusement que j'ai pris celui-là de vélo. T'as pris un vieux BMX là? Et l'enfer, non, le premier là, le cruiser de mort là, le truc des années 50 là. Ah bah quand j'avais fait une épreuve avec la mano là, on est tous en vélo là. Tout le monde a pris le vélo de course, moi j'étais seul connard avec ce vieux vélo là. Je galérais. Tu m'étonnes. Et toi, je suis pas arrivé le dernier. L'autre fait de la motocross avec son chien qui lui court derrière, oui. Wesh. Cool, I'll hit you up later. Ah, sadique le mec. Ouais, je suis au niveau du théâtre là. À la maison. Ah, en plus, il y a le truc juste en face de la maison là, prendre le vélo. Ah oui. Let's go. Aïe, oh putain. Mal au jeu. Je peux pas courir là. Trop. Hey, envoie-moi ta pause, je prends la voiture, j'arrive. Yes. On voit ça. À de suite. On va quand même aller poser le 9. Je me suis changé, j'en pouvais plus. Marcel, pantacourt, bottines au lieu des bottes.
tenue d'été. Non, ça va lui dire que j'avais chaud, j'en pouvais plus. Non, Rurik, il a pas le feeling, a écrit. Pas ce feeling là, tu vois. Et c'est bon, il a le docteur là. Le docteur, il y a la petite nénette du zombie. Il y a Amy du coup. Voilà, c'est bon, tranquille. Il va pas crush sur tout le monde non plus. Il est très bien le pantacourt. J'ai la même tenue avec Jean. J'ai la même tenue avec un jean. Ça, c'est la tenue d'été, ça. Très bien, le pantacourt. Eh oui, j'ai vu qu'elle était tenue à jour la liste des crushs. Il y en a que 3 pour l'instant. Il y en a que 3. Let's go. On fait la circulation là. C'est ça. C'est ton petit bâton lumineux là. Et quelle heure il est là? On va aller à l'université, non? Ouais, je pense. Il n'y en a pas plus que 3 pour l'instant des crushs. Mais bon, est-ce que Rurik va réussir à en pécho un, ne serait-ce qu'une seule fois? Le cadre syndical est passé. Moi, j'ai posé mon 9 aussi. Ouais, du coup. Bah, il va aller mieux, ouais. Ouais. Bah, quand il y a la tempête, c'est là, les dépenses. Je... Bah, t'es plus grave que le. Plus grave que le. Bah, clairement, oui. Bah, j'ai pas envie de le perdre, hein. De ouf. J'ai de voix comme. Ça donne envie de faire les pneus au taser. J'ai de voix comme une connasse là. Wesh! Quoi? Ça va? Bah oui, y'a rien. Ah ouais? Bah ouais. Ah. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il y a eu un. Putain! Quoi? J'ai vu des trucs! Vraiment, ah ouais, je vois des choses chelous là. Arrête la drogue. Bah j'ai même pas pris, c'est ça le problème, je pense. Faut que j'en prenne. Il n'y aura personne ici à cette heure-ci. Oh mais attends là. Oh putain. Tu veux que je t'amène à l'hosto ou quoi? Ah mais sur mon point de vue là, t'es sur un trottoir contre un mur. Ah ouais non, je suis en train de rouler mec. Wouah, quel bail. Mais... Wesh. Tu peux descendre de la caisse, je suis à l'arrêt là, tu peux y aller. Vomis un coup, ça te fera du bien. Wesh. On
On se remange une tempête ou c'est comment? Je pense qu'on se remange une tempête. Je suis en train de regarder la rocade, ça descend un peu. Bon, si on se remange une tempête, en vrai, je reviendrai ce soir, les amis. Je vais prendre une après-midi tranquille, je reviendrai ce soir, et puis voilà. Là, on n'aura pas le temps de faire grand chose jusqu'à 18h, sachant qu'à chaque tempête on est obligé d'attendre. À part si c'est une petite soufflerie que ça me déconnecte pas, mais j'ai l'impression que ça souffle. Ah, c'était obligé, ça déco. Allez, bon, désolé, moi je vous abandonne là. Ça va me permettre d'essayer de regarder pourquoi les putains d'annonces de sub ne marchent pas. Je vais réinstaller mon set de set d'annonces, tout simplement, basiquement. Puis dans tous les cas, je vous retrouve ce soir, du coup. Là, si on se mange plusieurs tempêtes, que c'est Fafa qui demande la fermeture du serveur et tout, c'est pas la peine. Du coup, je fais des bisous. Merci à tous d'être venus, merci pour les follow, merci pour les subs, ça fait vraiment plaisir. Bah, désolé pour ça, malheureusement on subit, ça arrive de temps en temps, il y a des jours où le serveur n'a pas envie de tenir et ne marche pas. Donc, passez sur Discord pour ceux qui sont sur le Discord, et puis sinon je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir quoi. En tous les cas ce soir je serai là. Allez, bonne fin d'après-midi tout le monde, ciao ciao.